Salut à toutes et à tous, c'est Vinky. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va se battre. Pas pour de vrai, hein, t'as vu, je suis un peu faible et tout, donc je pense qu'on va plutôt se battre, mais sur un jeu vidéo, c'est mieux. Bref les gars, sans plus tarder, je lance Clash Royale tout de suite. Je sais pas pourquoi ce jeu d'un coup, il revient à la mode à donf, et forcément je suis également tombée dans l'addiction, c'est-à-dire que je suis une influenceuse influencée. Là est le comble. Bref, sans plus tarder les gars, ça fait longtemps, j'abuse un peu, ça fait 4 jours que j'ai pas ouvert de coffre, de récompense et tout, pour qu'on ouvre déjà tout ensemble. Déjà là, ensemble, on peut voir que je suis à 2 doigts, à une victoire, normalement, d'être arène 6. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être tout simplement d'atteindre l'arène 6. J'espère que je vais réussir, j'ai toujours pas réussi, là je suis à mon max, 1573 trophées, t'as capté. Bref, sans plus tarder, on va commencer à ouvrir les petits coffres. Bon bah de l'or, voilà, cage à gobelins. Bon ça, je t'avoue, ce genre de coffre, je les ai passés vite parce que c'est un peu nul, hein. On va pas se mytho. Pour finir les gars, au niveau de mon clan, comme on a terminé premier de la guerre des clans, normalement j'ai un coffre qui va me donner une légendaire. Électrocution, ok. Mousquetaire, ça va, c'est pas mal. PK. Et là les gars, attention, qu'est-ce que je vais avoir personnellement? J'ai pas Bob le bricoleur là qui passe en dessous. Et je pense que ça peut être une carte pas mal. Attention, attention, attention. Qui je vais avoir? Bob le bricoleur! Enfin le mineur. Cette carte je l'avais pas encore. Et je pense qu'on va de suite le mettre dans le deck. Je vais mettre Bob pour inaugurer le truc. Donc là vous avez un petit aperçu de mon deck. Il est pas fifou fifou mais voilà. J'allais dire j'ai plus de défense que d'attaque. J'ai plusieurs cartes qui peuvent se jouer un peu partout. Genre la sorcière, elle est un peu polyvalente. Enfin bref, je vous apprends rien les gars, c'est parti, là on va commencer un jeu tout simplement. Bref, c'est parti, objectif win. J'ai envie de win, donc on va win. Il y a rien de compliqué là-dedans. Dites-moi les gars si ce genre de format de vidéo vous plaît ou pas sur Clash Royale. Parce que moi en tout cas en ce moment, je suis pas à fond, mais tu vois, je suis pas mal dedans. Bonne chance, merci mec, toi aussi, bonne chance. Let's go, flèche. Je l'ai un peu lancé tard. Hop, ça c'est la carte un petit peu cancer, tu vois, qui fait un petit peu gratter des points. Hop, ça pour défendre. Et là, va falloir que je défende bien. J'espère qu'il a pas de flèche parce que sinon je suis dans la merde. Ça va, j'ai pas pris cher. Et là, tout de suite, on enchaîne avec le mineur. Il va mettre des petits coups par-ci par-là, ça c'est pas mal du tout ça. Bon, il me domine un peu, sa tour a plus de PV que la mienne, mais ça peut encore le faire. Bon, pour le moment, c'est un match plutôt serré, mais je t'avoue, j'ai envie de passer... T'avoue que j'ai bien envie de passer level up, là, au niveau de l'arène. Hop, je remets un mineur, histoire de gratter. Là, normalement, il a plus beaucoup d'élixir, donc il va pas trop pouvoir défendre. Ok, là, la Valkyrie, ça, c'est une très bonne défense pour défendre ma sorcière, n'empêche. Il joue très bien. Aïe, aïe, aïe. Ok, let's go, il a focus la mousquetaire. C'est pas mal ce qui se passe. Je reprends l'avantage, mais vraiment très légèrement. Je remets un mineur. Et lui, il devrait pas tarder à m'en remettre un aussi. Ok, let's go. Oh. Je vais mettre ma princesse. Voilà. Hop, focus la princesse. Bien joué. Là, je défends plutôt pas mal en vrai. Je suis vachement focus sur mon match. J'espère vraiment que je vais gagner parce que je domine, mais bon. Sur ce jeu, le problème, c'est que les renversements de situation sont énormément fréquents. Oh shit. Bah voilà, qu'est-ce que je disais. Aïe, aïe, aïe. On repart en contre-attaque. Là, c'est le moment de tout donner, là. Faut pas que je me fasse avoir par une erreur d'inattention ou quoi que ce soit. Oh, ça, c'est très bien joué, ça. Faut que j'enchaîne. Faut que j'enchaîne. Allez. Allez. Let's go. Oh, je suis trop contente. Let's go, les gars, on est passé à Rennes 6 en un seul match. C'est pas beau, ça. Donc, il y a quoi à gagner comme deck? Je vous avoue que je connais pas trop ces cartes. Je sais pas si elles sont bien. Dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, moyen, ok. Bref, là, je propose qu'on fasse un truc, les gars. C'est qu'on reparte à l'aventure, tout simplement. Parce que là, tu vois, on a un petit peu soif de gagner, soif de voilà. Par contre, les mecs face à moi sont à Rennes 6. Qui dit à Rennes 6 dit autre carte, des nouvelles cartes. Et je les ai pas, moi, ces cartes. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, j'avais pas mon armée là pour défendre ça. Waouh, j'ai pris cher. Je crois que j'ai sous-estimé un peu les dégâts qu'il pouvait me mettre. On va mettre un mineur dès maintenant. J'ai mis une armée de squelettes pour rien. Let's go, c'est pas grave. Ça va défendre en face. Ok, c'est pas si mal en vrai.
Let's go, la sorcière qui peut mettre quelques dégâts à la tour adverse. Ok, c'est pas mal. Bon, ça va, on va dire que j'ai à peu près rattrapé mon retard là, mais j'avoue que j'ai pas trop géré tout à l'heure. Je vais mettre ça, ça utilise 3 fois rien en élixir. Hop. L'armée de squelettes qui carry bien, hein. On va pas se mentir. Allez, on est reparti. J'ai bien l'impression que ça s'attaque. Très très bien. Là, il a plus d'élixir. Et c'est une tour de prise. Let's go, les gars. Oh, je vous avoue que j'y croyais pas en début de match. Parce que là, quand je me suis fait avoir, j'avais un peu le seum. On va pas se mytho. Je crois qu'il a plus d'élixir. Oh, si je pouvais faire un 3 étoiles, ce serait magnifique. Enfin, 3 couronnes, pardon. J'en perds mes mots. Allez, allez, allez. Voilà, beau gosse ou pas? Passe à Rennes 6. Et ensuite, deuxième combat que je lance, ça commence mal et ça finit en 3 couronnes directement. Et en plus, je récupère une récompense, si c'est pas magnifique. Oh, let's go, c'est une carte. C'est une carte quoi? Joker épique en plus. Plus un coffre. Ah, machine volante que j'ai débloquée. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, en vrai, mon deck, il est pas mal là, les gars, je trouve. Hein. Bob le bricoleur, il carré bien, je vous avoue. Bref, voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu de format, Clash Royale. J'avais toujours pas fait de vidéo, je crois, dessus, sur ce jeu. Moi, perso, comme je suis à fond sur ce jeu en ce moment, j'ai plutôt kiffé. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez kiffé, si vous voulez d'autres vidéos sur Clash Royale. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.